HPC, qui c'est rassemblement des citoyens haïtiens patriotes conséquents. Je dis à c'est un grand jour. Un jour que nous attendons en pile. Un jour qui marquait l'histoire. Il faut nous dire bien, rencontre ça par un hasard. Nous tous connaissons qui ça la Tibonite représenté dans la politique paysanne. Rencontre ça, c'est un résultat activité sociale que RHPC réalisé dans le niveau département de la Tibonite. Dans le niveau éducation, RHPC mettait campé. Ok. Bien. Ok. Dans le niveau éducation, RHPC mettait campé 32 l'école en temps département de la Tibonite. Là. Pour nous citer Saint-Michel, commune Saint-Michel, commune Mamelade, commune Petite Rivière la Tibonite, commune Dessaline et la Trier. Dans le niveau santé, RHPC organisé près de 15 et bien cliniques mobiles en temps département de la Tibonite. Là. Déconseillé avec M. Nesli Amizial, qui s'est chargé d'affaires, chargé mission à la présidence, nous réaliser une enquête pendant des fois dans le programme SIGOA. Avec une stratégie, nous avons été campé, qui est sous le nom, baptisé sous le nom ZTI, c'est-à-dire nous commencer dans la localité, rentrer dans le quartier, rentrer dans la section communale, rentrer dans la commune, pour ne pas dire, eh bien, chef de département. Nous arrivons, grâce à cette stratégie, ça, nous arrivons à contrôler tout, eh bien, département la Tibonite. C'est ça qui fait, journée jodia, nous avons dit RHPC tout bon vrai, son gros force sociale en tant pays. Et c'est ça qui exige nous-mêmes, je dis, pour être capable de gagner tout représentant et bien département Tibonite et bien présent en tant que ça. Mettre en place dans ce pays pour de bon toutes les infrastructures pouvant contribuer et supporter le développement économique comme des ponts, des énergies électriques, hydrauliques, des ports, des aéroports, etc. Lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes, en apprenant et en montrant la jeunesse haïtienne que le développement d'un pays n'est pas une affaire d'années, mais de plusieurs générations d'hommes et de femmes responsables et engagés, marchant d'un pas vers un seul et même but, à la recherche à chaque moment du meilleur par rapport au bon, du durable par rapport aux passagers, du moins coûteux en moyens humains, matériels et financiers par rapport à ce qu'il est plus. Promouvoir la déconcentration administrative par la présence de l'État sur toute l'étendue du territoire national à travers ses bureaux et ses services à la population. Promouvoir la déconcentration administrative par la présence de l'État sur toute l'étendue du territoire national à travers ses bureaux et ses services à la population. Je mets beaucoup d'accent sur ce point et c'est pour ça que je le redis encore. Soutenir une société sachant garder ses traditions et ouverte sur les autres et attentive aux progrès techniques et scientifiques. Doter Haïti de stratégies efficaces de manière à faire face aux défis et enjeux politiques, économiques et sociaux de l'international à travers une diplomatie adaptée et intelligente. Répondre aux défis de tout ordre économique et politique du pays dans le respect des principes et des règles du jeu. Établir une coopération internationale
qui doit se situer sur le plan le plus large, facilitant l'échange sans restriction des connaissances scientifiques, des produits de la terre ou de l'industrie, en répandant la culture, socle du progrès réel de l'humanité.